quelques pages en compagnie aujourd'hui de Joël Braque de Payot Libraire. Bonjour Joël. Bonjour. La figure de Charles-Ferdinand Ramu a suscité de nombreux ouvrages. En quoi celui que vous avez choisi de nous présenter est novateur ? Peut-être parce que c'est une figure, justement, qui le traverse complètement. Le visage de Ramu est familier à tous les romans, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Et l'ouvrage que les grands spécialistes de Ramu, que sont Daniel Maggetti, Stéphane Petremont, ont choisi de nous présenter, c'est une enquête très, très respectueuse, mais très approfondie de l'homme Ramu. À travers des en cinq parties, je crois. Qui prennent en charge aussi bien la vie très, très privée, personnelle, la famille depuis les débuts, sa propre famille ensuite, et puis la carrière, la façon dont elle s'inscrit dans la vie publique de la littérature, et jusqu'à la fin de ses jours. C'est cette longue vie qui a été jalonnée d'un succès assez étrange, en fait, un peu inattendu par certains côtés, extrêmement mérité par d'autres, et qui a une configuration tellement différente du succès qu'on le connaît aujourd'hui. Un écrivain succès, c'est pas ça aujourd'hui. Donc c'est une découverte extrêmement belle, et surtout c'est une façon de présenter Ramu qui est très dense, très humaine. C'est un personnage dont le visage austère donne l'impression qu'il est assez froid et réservé, mais derrière il y a bien sûr quelqu'un, et c'est une très très belle découverte. Donc un ouvrage à glisser sous le sapin de Noël. Absolument. Puisque nous y sommes presque. Merci Joël. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque-page, c'est terminé. Bonne suite de programme sur la télé.